La disparité économique entre les pays africains et le reste du monde sont destinées à s'aggraver, prévient l'Organisation mondiale de la météorologie. L'impact du changement climatique se fit sentir de manière particulièrement grave dans le secteur agricole, qui supporte plus de 55% de la population active africaine. Faut-il signaler que depuis 1961, la productivité agricole a chuté de 34%, mettant en péril les moyens de subsistance et l'économie nationale des pays africains. Selon les projections de l'Organisation mondiale de la météorologie, d'ici 2025, les pays africains verront tripler leurs importations alimentaires annuelles, passant de 35 milliards à 110 milliards de dollars. Les pays fragiles allant de la République centrafricaine à la Somalie sont les plus durement touchés par les phénomènes climatiques extrêmes, tels que les inondations, les sécheresses et les tempêtes. Ironiquement, bien qu'ils aient contribué le moins au changement climatique, ces nations subissent des conséquences disproportionnées. Chaque année, le nombre de personnes touchées par des catastrophes naturelles est trois fois plus élevé dans les pays fragiles que dans d'autres nations. De plus, le pourcentage de la population déplacée en raison de ces événements est deux fois plus important. En raison de leur position géographique, les pays fragiles connaissent des températures plus élevées que la moyenne mondiale. D'ici 2040, ils pourraient enregistrer en moyenne 61 jours par an avec des températures dépassant les 35 degrés Celsius, soit 4 fois plus que dans d'autres régions. Ces conditions extrêmes mettent en péril la santé humaine et affectent la productivité de l'emploi, en particulier dans des secteurs clés comme l'agriculture. Les pays fragiles sont confrontés à des défis supplémentaires, notamment des conflits internes, qui entravent leur capacité à gérer les risques climatiques. Par exemple, en Somalie, les zones les plus touchées par l'insécurité alimentaire et la famine, due à la sécheresse prolongée de plus de 3 ans, étaient sous le contrôle de groupes armés, entravant l'acheminement de l'aide humanitaire. Le dernier rapport de l'Organisation mondiale de météorologie sur l'état du climat en Afrique souligne clairement l'accélération du rythme de la hausse des températures sur le continent au cours des dernières décennies, mettant en évidence des risques climatiques de plus en plus graves. Malgré une contribution de moins de 10% aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, l'Afrique est le continent le moins préparé à affronter les impacts dévasteurs du changement climatique. Canicules, fortes pluies, inondations, cyclones tropicaux et sécheresses persistantes menacent de plus en plus les communautés et les économies, mettant en danger un nombre croissant de personnes. En conclusion, on peut dire que ces phénomènes météorologiques extrêmes dus au changement climatique menacent sérieusement toute l'Afrique et accentuent les inégalités entre le Nord et le Sud.